Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FIFA 15, la carrière de manager, donc toujours avec Kaibar. Dans cet épisode, on va faire un match contre... Ouh, c'est quoi ce club? Contre Leganés, Leganés, je sais pas comment on le dit. Contre... Alcorcón. Enfin, voilà. Et Albacete, voilà. Avec un beau petit action, Yann chez nous. Bon, il nous reste assez peu de matchs jusqu'à la fin de la saison. Deux épisodes après celui-là. Donc je ferai peut-être... Ouais, je vais peut-être faire les trois épisodes à la suite. Comme ça au moins on aura fini avec cette carrière-là. Parce qu'on continuera pas. Moi je préfère continuer avec Shrewsbury. Il y a quand même un peu plus d'intérêt et d'enjeu. Donc allez, on va partir déjà pour ce premier match. On va se mettre comme ça, ils vont se mettre comme ça. L'équipe A va jouer comme ça et ça ira très très bien. Jouer avec une équipe A comme ça. Ou avec une équipe A comme ça. Bah écoutez, on va faire le premier match comme ça. Et puis après on verra bien. Après on verra bien. Allez, un petit lob, ça passe. Mais dans le jeu, ça passe jamais. Ah, peut-être que j'essaye avant que ça passe. Allez, on est parti. Avec notre petite équipe de Eibar. Qu'on a un petit peu de mal à en prendre en main, mais bon, c'est au début de chaque équipe, hein, c'est toujours comme ça. C'est toujours un peu compliqué au début. Qu'on connaît pas trop les forces et les faiblesses de nos joueurs. On tâte un petit peu le terrain, Alors on sait pas trop qui il faut mettre et où, parce qu'on sait pas qui sera le meilleur, qui est-ce qu'on jugera le meilleur, parce que les statistiques ne font pas tout. Ah, fallait faire une belle petite passe là. Allez. Lilo. Bon, bien joué ce tacle. Sublime, sublime, pas sublime. Rien à voir avec la lessive soupline non plus. Bim! Voilà comment on fauche le ballon. On est comme ça, nous. On n'a aucune pitié. Allez, bien joué ça. Bien joué ça. Ouah, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. La tête de Mora, qui ne nous aura pas eu. Voilà. Salut. Voilà, jouer derrière, de toute façon. Bien joué. Non, c'est pas pour là. C'est pas pour là que je l'ai demandé. Non, c'est pas pour là non plus que j'ai fait la passe. Vas-y, mon défenseur, comment tu t'es trouvé? Oh, le salaud. Et ce centre aussi, ce centre, quoi. La qualité de ce centre. Le mec, il reçoit à peine le ballon. Il se retourne même pas, il jette un petit coup d'œil. Bim, instinctivement. Défenseur qui se trouve. Eh ben alors, le gars, faut avoir la patate un peu là. Eh ben, pourquoi j'en ai plus aucun qui a la patate là? Allez, on se sort les doigts du. Et on fait du pressing un peu parce que là il n'y a pas de pressing là. Moi je vois pas vraiment de pressing là. Allez, il fait du pressing pour rendre le ballon à l'adversaire. Allez, bien joué. Allez. Bon, Mora. Mora, non, Mora, t'as pas le droit. Tu dois t'imposer un peu plus. Comment ça, monsieur l'arbitre, tu mets un avantage? D'où tu sors un avantage, toi?
Ah là là. Les gars, vous manquez de jus, vous manquez de patates, hein, vous manquez de jus. Oh, c'est quoi cette passe? C'est quoi cette passe? Oui, mais oui, mais oui, mais fous-toi hors jeu aussi, toi aussi, là. Kappa. Faire gaffe un peu, là. Parce que là, tu pouvais te placer facilement, là. Ça savait pertinemment que j'allais te faire la passe. Ouais, c'est ça, les gars, vous manquez un peu de patates, hein. C'est vrai que vous n'êtes pas vraiment dans l'action là. Non, c'est pas pour là que je la voulais. C'est pas pour là que je la voulais. Ouais, vous avez des contrôles un peu foireux, un peu limite. Non, c'est pas ça que j'ai demandé. J'ai pas demandé une passe en profondeur, j'ai demandé une passe normale, dans les pieds. Non, c'est pas vrai. Garcia, t'as pas le droit. L'action était bien construite. T'as pas le droit. Allez. Ah, salaud. Oh putain. Bien joué. C'est la mi-temps, quoi. Je pique le ballon et c'est la mi-temps. Bon. Eh bien, on est mené 1-0 assez injustement. On a fait qu'un seul tir, donc finalement, c'est pas si injuste que ça, mais... Ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont eu une occasion assez improbable, en vrai. Non, j'aurais voulu avoir le joueur que j'avais en bas. Non, bah, voilà, on est trop tard. Ça va être intercepté. Ah ouais, N'Jai est pas très technique. Non, 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 t'as pas le droit. T'as pas le droit. Comment tu peux rater ça? Ça lui tombe dessus, le mec. Le mec, ça lui tombe dans les pieds, il rate le ballon, quoi. Ça, c'est gavant, ça, quand même. Hein. Allez, allez, N'Jai. La frappe. Bon. Il a pas le droit. N'Jai, je sais que t'es pas un buteur, mais quand même. Quand même. Tu peux la glisser, là. Y a pas de souci là. Ça, elle a été limite, elle a été donnée quoi. Non. Non. Il a pas le droit. Ah. Putain, ils arrivent toujours à trouver de l'espace. C'est incroyable ça. Ah, il va encore me faire un centre. Allez, on va arrêter les conneries, on va se mettre en ultra off. Sauf qu'on là on peut pas. Voilà. Pourquoi j'ai pas l'attaquant? Même en normal, il y a les attaquants, ils se mettent pas devant. Il y en a pas au moins un qui est devant. On est en ultra off, mais on dirait qu'on est en défensif là. Bien joué. Très très beau ce tacle. Ah salaud, mais putain, mais j'arrive pas à leur prendre le ballon quoi. Non, mais putain, mais c'est pas vrai les gars, vous abusez quoi. Vous abusez quoi, vous abusez. Putain, je récupère le ballon, c'est pour que les autres les récupèrent derrière quoi. Arrêtez un peu quoi, soyez un peu, je sais pas, coordonné dans vos mouvements quoi. Il y en a un qui récupère et il y a l'autre qui reprend le ballon derrière, sinon c'est pas la peine quoi. Pourquoi c'est Mora qui vient chercher le ballon au milieu du terrain quoi? Ton boulot Mora c'est d'être devant, hein, c'est pas d'être au milieu du terrain. Hein. Putain mais il se fait dépasser par tout le monde Mora. N'Jai ça va pas. N'Jai ça va pas, on va faire placer par lui. Naito, on voit pas tellement les ailiers non plus. Est-ce qu'on met Parker? Allez, on va mettre Lara, tant pis, on verra. Putain les gars, vous avez pas envie de jouer en fait, c'est ça? C'est ça, vous avez pas envie de jouer. Fallait me le dire hein, que je commence l'épisode quand même. Fallait me le dire. Fallait me dire, ouais coach, c'est pas la peine de le faire jouer aujourd'hui. Aujourd'hui on a vraiment pas envie de jouer.
On a vraiment pas envie. Nous, ce qu'on veut, c'est rien faire. Mais pourquoi t'as dégagé le ballon? Je t'ai pas demandé de dégager le ballon. Putain, et ça me lobe en plus, quoi. Non, c'est défaite ce match là, c'est défaite là, c'est n'importe quoi, mes joueurs, regardez-moi, j'ai même plus de latéraux. J'ai même plus de latéraux. Il n'y a personne sur le côté. Allez, on est en ultra off les gars, on est en ultra off. Pourquoi j'ai qu'un seul mec devant? Mais putain, mais c'est n'importe quoi ça! Pourquoi il y a un seul type devant quoi? On est en ultra offensif, il n'y en a même pas, et... C'est pas comme s'il y en avait deux ou trois, non, non, mais il n'y en a qu'un seul, quoi. Et c'est même pas l'attaquant, quoi. C'est de l'abus. Ils ont vraiment pas envie de jouer, en fait. Sur la bite, il met des avantages comme ça, alors que je touche pas ses joueurs. Bah, c'est défaite, là, t'es fou? Avec cette mentalité qu'ils ont, mes joueurs, là. C'est pas vrai, mais non, mais Mora, mais t'abuses, hein. Sérieux, Mora, tu le fais exprès là. Non, mais putain, mais t'as pas le droit. Mais t'as vu comment tu te retournes aussi là? Sûr que même un aveugle, il aurait vu comment t'allais te retourner quoi. Putain, mais c'est déprimant, hein. Franchement, c'est assez déprimant quoi. C'est pas là que j'avais demandé la passe. C'est pas là que j'avais demandé la passe. C'est pas là que j'avais demandé la passe. Bon, ma défaite. Sur une seule occasion. Même le défenseur, déjà, je lui demande de sauter, il saute pas. Et après, il prend pas le ballon. Bon, bah, c'était vraiment un match à oublier, ça. Hein. C'était vraiment n'importe quoi. On change d'équipe, là. Là, on change d'équipe. Second match, on met pas du tout la même équipe. Hein. Même si je fais jouer des jeunes, je m'en fous. Principe déjà les jeunes. Bah, ça tombe bien mon petit loulou. Ça tombe bien mon petit. On va faire tourner l'effectif parce que les vieux ils foutent rien. Alors du coup, on va changer. On va faire jouer Garcia et Rodriguez devant. On va mettre Mora sur le banc. On va faire jouer. On va faire jouer lui, tiens même. Ouais, on va faire jouer lui, tiens. Neto qui est sur le côté. On va le mettre là. De ce côté-là, on va mettre. On va mettre Parker. On va mettre Boateng. On va pas changer le gardien parce que le gardien il est très très bien. On va tout changer. Bah tiens, Bertolis, il se plaignait de pas jouer, tiens. Il se plaignait de pas jouer, donc il va jouer. Est-ce que j'ai un autre défenseur central sous la main? Oui, j'ai lui. Eh bah tu vas jouer. Il n'y en a pas un qui peut jouer des deux côtés? Si, voilà, toi tu peux jouer des deux côtés. Voilà, bah, il peut jouer tous les deux des deux côtés, donc c'est parfait. Voilà. C'est la punition. Bon, le gardien, on peut pas trop lui en vouloir non plus. Hein. C'est surtout les défenseurs qui s'étaient plantés. Voilà, on va partir avec une équipe comme ça, alors. On va se mettre quand même Garcia sur le banc. Voilà. Et on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Et je suis sûr que ça jouera mieux comme ça qu'avec les titulaires. Allez, les jeunes, montrez-moi un petit peu ce que vous valez. Il y a des passes de titulaires à gagner. Je vous le dis, je suis un peu vénère contre mon équipe A. Je les trouve très très mauvais. Prouvez-moi que vous pouvez faire mieux. Et il n'y a pas de souci. Il y a une première occasion de la troisième minute. Suite à un bon appel. Donc déjà, ça fait plaisir. Oh là là là. Ballon qui ressort de l'autre côté.
Ah putain. Normalement, je lui ai saccagé normalement le dos. Allez, ça c'est bien joué pour Naito. Naito qui n'a plus de vitesse. Non! Non, 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 t'as pas le droit! Penalty! Penalty! Apparemment, il y a un penalty. Il avait pas le droit, le mec, d'embarquer comme ça, là. C'était pas possible. Putain, Garcia, cette carrure qu'il a, quoi. Ouais. Il avait pas le droit. Putain, il est costaud, un truc de dingue. C'est souvent comme ça, hein, en fait. Les regen, j'ai l'impression, enfin, les joueurs régénérés par le jeu, ils sont souvent ultra costauds, ultra baraqués. Mais un truc de fou, quoi. Ça vient un peu sa carrure. Regardez Parker à côté, il est tout minus. Allez, ça fait déjà un 0 de la 15e. On va jouer comme ça plus souvent. Merde. Allez. Non! T'as pas le droit. T'as pas le droit de me prendre le ballon comme ça. Ah, le salaud. Salaud. Putain, on est en train de tourner autour d'eux, on est en train de les rendre fous. Allez. Voilà, moi je les trouve plus motivés eux, que mes anciens. Bon. Naito, là par contre, Naito, ça par contre, ça va pas. Hein. Ça, faut pas non plus déconner. Hein. Je veux bien être tolérant, mais quand même. Faut pas abuser. Ndiaye, ok, tout à l'heure, il a raté parce que c'était pas un attaquant, mais toi quand même, t'as plutôt plus vocation offensive que lui. Et tu me tires un parpaing comme ça. Vas-y, mais je touche le ballon, monsieur l'arbitre, t'as pas le droit. Je touche le ballon, je joue le ballon. Bon, il y a ses pieds à l'autre devant, mais je joue le ballon quand même. Allez. Ils sont beaucoup de monde au milieu, hein. C'est incroyable. Hein. J'ai l'impression que tout le monde est. Il y a plus de monde au milieu. Allez, Parker! Parker en entrée de surface! Mais ça ne passe pas. Oula! Ah, il est hors jeu, je crois. Je crois qu'il était hors jeu, monsieur l'arbitre. Vas-y, bah, comment il met un truc comme ça, lui? Faute! Je fais un sale tacle par derrière, mais il était pas si sale que ça en fait, hein. C'est un effet d'optique. Je suis sûr que c'est un effet d'optique. Voilà. Non, 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 dégage. Voilà, qu'est-ce que tu me fais un contrôle quand je te demande de dégager, toi? Ça, c'est le moyen à coup sûr de prendre un but, ça, mon petit gars. Si je te demande de dégager, tu dégages. Tu cherches pas. Dégage. Non! C'est quoi ce vieux contrôle? Commencez pas à mal jouer, les gars. Commencez pas à mal jouer. Parce que là, je sens qu'il y a du relâchement, là. Je sens qu'il y a du relâchement.
Ça va, monsieur l'arbitre, faut se calmer un peu. Je peux rien si lui fait une roulette quand j'arrive au contact, quoi. C'est pas ma faute. Ah, salaud. Il va quand même réussir à caser son centre, hein, c'est trop vite, hein. Ah ouais, mais sauf que t'es pas parti en fait, c'est ça le problème. Ah ! Salaud ! Vas-y ! Ça fait deux fois qu'il me dit... qu'il me dit de me calmer. Enfin, qu'il dit deux fois qu'il dit de se calmer à un de mes joueurs. C'est bien, il est tolérant celui-là au moins. Bah vas-y, mais récupère le ballon un peu là, c'est ton boulot. Là, ça c'est pas une faute ça. C'était quand même assez sale comme tacle, hein. Allez, moi je le rate quoi. Moi, oh, monsieur l'arbitre, il a pas le droit. Il a pas le droit de me faire ça. Putain, vas-y, mais les gars, quoi. Arrêtez, quoi, un peu là. Vous avez vu ce que vous faites là? Putain, ils jouent pas très bien les autres, mais on va finir par prendre un but, hein. Vous avez vu les contres défavorables que j'ai? Ils ont tout le temps de se placer là. Ça c'était sûr les gars, ça y est, vous reprenez, hein, vous commencez à jouer mal comme vos collègues là. Putain, il faut être motivé un peu, hein. Il faut être motivé parce que là c'est vraiment pas le cas, hein. Ça joue n'importe comment. Ça c'est pas se placer, regardez, il y en a un qui se casse la gueule. Oh, c'est pas vrai, mais c'est quoi cette double parade de dingue qui me fait lui. On va faire entrer Mora. On va faire entrer le jeune là. Une place de Boateng pour éviter qu'il prenne un rouge. Attends, je regarde les instructions parce que. C'est bizarre qu'il joue aussi mal, hein. C'est incroyable, hein. Comment il se place pas bien, tout ça. Je trouve ça incroyable quand même, hein. Il n'y a jamais un qui est bien placé, c'est n'importe quoi. Ils font des appels dans tous les sens, mais invraisemblables. Dans tous les sens, sauf le bon. Non! Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? C'était pas pour là! C'était pas pour là! C'est quoi ce vieux but de merde? Non, mais c'était même pas pour là la passe! Il fait la passe au mec qui est le plus mal placé, quoi. Normalement, il y en avait un qui était au côté du second poteau, là. Je crois que c'était Parker qui est arrivé. Il était totalement seul. Mais non, il a décidé de faire la passe au plus compliqué. Je crois que ça va être la première fois que je marque un but comme ça, un peu tout foireux comme ça. Bon. On mène 2 buts à 1, mais c'est pas une raison les gars. C'est franchement pas une raison parce qu'il y a vraiment pas de quoi se réjouir. Hein. Bah y'a faute là monsieur l'arbitre, non? Y'a pas faute là. Là tu t'arrêtes pas le jeu là, par contre. Là c'est moi qui... Limite c'est moi qui suis en tort, c'est ça? Ah là, j'ai aucune solution, là, c'est par exemple. Je trouve que j'ai aucune solution. Et bien, l'autre, voilà, l'autre, il arrive, il me fout un petit coup de pied dans la patte, c'est bon, c'est fini. Bim bam boum, ça y est, tu perds ton ballon, tu peux plus rien faire, c'est attaque paralysie. Allez. Puis les mecs aussi qui surveillent pas leur trajectoire, rien du tout.
Des fois, ils sont surpris parce qu'on leur passe le ballon alors qu'ils sont bien placés, tu sais. Oh putain, vas-y, tu fais le tacle. Et... Non, putain, vous avez pas le droit, les gars, vous êtes deux. Vous êtes deux. Vous avez pas le droit de rater ça, là. Putain, les mecs, ils sont deux, ils sont même pas capables de prendre le ballon à un mec, quoi. Putain, pourtant, c'est pas l'équipe la plus mauvaise que j'ai entraînée, mais j'ai l'impression que si. J'ai l'impression que si. Il joue vraiment très très mal. Hein. Alors on va essayer de regarder un peu au niveau des instructions qui doivent pas être bonnes. Genre j'aime bien la compo B. Non, pourtant tu vois, ils ont pas de... Ils ont même pas de... Par défaut, c'est quoi ton par défaut? Ouais, c'est vrai que là, on peut le voir. Tu. On va se mettre en grosse pression tout le temps. On va essayer. On va essayer sur ce troisième match. De voir si on peut pas améliorer les choses. Alors. Sauf qu'on va faire ça. Et on va faire ça. Alors j'ai des milieux, on va faire ça. Il me manque un attaquant devant. Voilà. On va essayer de faire avec ça. Voilà. Voilà ce qu'il fallait faire pour éviter toutes les cibles. Voilà, en gros c'est ça. Vous avez compris? Maintenant faites pareil. Non, c'est pas pour la passe. Hein. Je t'explique, garçon. Déjà, tu commences à faire de la merde alors qu'on a à peine commencé le match. Ça me donne pas envie de te faire jouer, mon petit. Ouais, ça passe, ça passe. Salaud! J'ai pas de chance, hein, en fait. Pourquoi mes joueurs ils savent pas faire les tacles parfaits? Pourquoi c'est toujours les autres qui les font les tacles parfaits? Non, vas-y, ça c'est un dégagement, c'est même pas un centre. Hein. Là il arrive à cibler un collègue, le mec c'est... Et ça va? Si tu veux pas le ballon, Mora, tu le dis. Non? Voilà, je pensais que c'était l'autre qui aurait le ballon en premier, du coup bah, j'ai voulu lancer un tacle dès le début, mais non, c'est moi qui... Et le joueur qui a touché le ballon en premier... Je pensais pas qu'il l'aurait. Les gars, on est motivés. Hein. On est motivés, on sort un bon match là. Hein. Vas-y, mais pourquoi tu prends pas le ballon? T'as le ballon qui passe juste devant toi. T'as besoin de quoi pour... Il te faut quoi, franchement? Franchement, il te faut quoi? Putain, mais là aussi, mais les gars, mais... Ils sont pas motivés, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont pas motivés. Comment ça se fait qu'ils sont aussi fébriles, quoi? C'est incroyable. Mais, et en plus, il fait pas la tête et tout. Non, non, mais le mec, il joue pas le ballon, quoi. Il veut pas jouer. C'est quoi cette équipe, quoi?
Ouais, mais. Ouais, mais non, mais t'as vu tes appels aussi là? Non. Putain, mais vous avez vos appels aussi, les gars? Faut réfléchir un peu là. Je peux pas, moi, faire de passe aux gens qui font pas d'appels ou des appels qui sont totalement stupides. Je crois qu'il est hors jeu en plus, cet enfoiros là. Non, mais. Crochet, crochet, tu connais pas les crochets? Garceur. Tu connais pas les crochets, non? Déplacement de côté, tu connais pas, toi. Attends, t'es censé connaître, t'es un attaquant quand même. Pas abusé. Il va faire un centre, il va me sortir un tir. C'est sorti? D'accord. Pourquoi moi ça marche pas les trucs à la limite de la ligne? C'est de l'abus. Mais qu'est-ce que t'attends, Garcia, là? T'attends quoi? Voilà. Quand même. Putain, mais il y a toujours un défenseur, mais c'est incroyable. Et en plus, c'est nous qu'on l'a. Mais oh, voilà, t'abuses là. Comment ça peut être nous qu'on le sort? Elle est dure cette équipe, hein. Qu'est-ce qu'elle est dure? Elle a vraiment pas d'envie de jeu. Hein. Elle sort. On va déjà se mettre en ultra offensif parce que ça ne me plaît pas du tout comment ça joue en fait. Ça ne me plaît pas du tout. Ça manque de panache. Ça manque de. C'est normal qu'on marque pas des buts. En jouant comme ça, moi je me dis, je suis pas du tout étonné. Et ça fait 3 fois quand même hein, que le gardien il fait des parades. Il fait des parades de la mort comme ça. Alors, on va se changer un petit peu. Voilà. On va se mettre comme ça. Ça, on contrôle pas le steak, donc on va faire ça. Ça. Voilà. Voilà. Et ça, on peut laisser normal. Voilà. On va jouer comme ça. On va bien voir. Allez, touche pour nous. J'aimerais bien avoir un collègue pour jouer la touche. Ça m'aurait plu que ce soit pas l'attaquant principal. Donne le ballon à l'adversaire aussi. C'est pas gênant du tout. Du tout, c'est pas gênant en fait. Et pourquoi tu fais la passe à lui? Tu peux m'expliquer pourquoi tu veux faire la passe à lui? Pourquoi tu veux faire la passe au seul mec qui est hors jeu? Je comprends pas. Je comprends pas. Tu peux m'expliquer par contre parce que là, je comprends pas pourquoi tu veux faire la passe absolument au seul mec qui est hors jeu. Bon, ben c'est la mi-temps et c'est très mauvais. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. C'est pas efficace, ça joue pas bien. Ça ne joue pas bien du tout. Ouais, c'est vrai que ça, même dans une situation où ça pourrait marcher, ça ne marche jamais dans FIFA. Il faut toujours le dernier défenseur. Il est toujours totalement parfait dans sa récupération. Comme si le mec c'était un joueur de très très haut niveau. Vas-y, mais laisse-lui le ballon quoi. Tu te bats contre un pour récupérer le ballon, tu fais pas faute. Et après, tu vas pas récupérer le ballon quoi. Tu le laisses. Tu le laisses au suivant quoi. Toi, t'es intelligent quand même, hein. Toi, t'es un petit malin, toi. On serait pas à tout hasard en ultra offensif? Je vais regarder quand même. Ah ouais, si. Ouais. Bizarre, hein. J'ai pas l'impression. En plus, il y en a un qui est mort. Ah oui, mais forcément, on arrête le jeu quand je récupère le ballon là où il faut. Bon, ce qu'on va faire. C'est possible de jouer.
Ah oui, c'est possible. C'est bien. Pour espérer avoir du monde devant, on va faire ça. Parce qu'on n'a pas trop le choix. Garcia, Rodriguez, Garcia. C'est pas le même Garcia. Voilà. On va jouer comme ça, avec 4 personnes devant. Si c'est le seul moyen d'avoir du monde devant. Par contre, on va peut-être plutôt faire ça. Voilà. Voilà. Et là, j'espère quand même que j'aurai du monde devant. Combien dans ta cage, gardien, là? Fais pas des sorties comme ça. T'es pas Neuer, alors évite de faire ce genre de choses. Ça va, tu veux plus le ballon? Tu vas sortir, garçon. Hein, tu me fais pas les trucs comme ça, hein. Quand même. Garcia qui ouvre le score. Faut quand même mettre 4 types devant pour avoir à peu près des appels. Hein, et à peu près encore, c'était pas top. Hein. Allez, son 4e but à Garcia. Allez, je peux pas changer quelqu'un d'autre, si. Et toi, tu vas sortir. On va mettre Boateng. Bon, quoique non, on va mettre bien Grassi. Voilà. Parce que bon. T'avais le ballon dans les pieds, t'avais pas l'air de vouloir jouer, alors bon. Faut pas insister, si t'as pas envie de jouer. Tu le dis. C'est pas vrai, ça, non? Non, mais ça va, vas-y, c'est quoi ce tacle, là? C'est quoi ce tacle? Tu me le sors, ton tacle. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait, monsieur l'arbitre? Pourquoi tu mets un avantage? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché personne. Oh, ça fait but, ça. Heureusement qu'il marque pas, parce que là, ça aurait été le dégoût, là. Là, ça aurait été le dégoût. Tu te casses les couilles pendant 70 minutes à marquer un but. Pendant une heure, et puis hop, il fait une petite frappe. Une petite accélération, un bon petit appel, hein, parce que toi, t'aimerais bien avoir des bons appels comme ça. Hein. Quand même. Voilà, Garcia, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Aïe, 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 le doublé de Garcia. Que c'est laborieux, mais que c'est laborieux. Allez, allez Naito, allez Naito, allez Naito, la frappe de Naito. T'as pas le droit Naito, t'as pas le droit, c'est interdit de rater ça. Prochain qui me rate un truc comme ça, je te pète sa gueule, là t'as pas le droit non plus. Bon, c'était cadré, donc c'était déjà bien. C'est déjà très bien. Perron, le défenseur, non. T'as le mec, il vient sur toi, mais a pas peur, hein. Il te rentre dedans comme une brute. Ça va, Neto, tu vas te rapprocher un peu plus. C'est pas contré? Mais bizarre. Ah non, c'est pas contré. Mais quelle frappe de merde. Bien écrasé, bien moisi. Vas-y, Naito, tu peux... Bon, allez. Il va quand même lui faire la passe, hein. Ah ouais, ouais, non mais... Allez. Non mais... Il connaît pas non plus les crochets, Baron.
Il a pas appris les crochets. À l'école de foot, on lui a pas appris les crochets. Non, mais pourquoi tu te recules, NJ? Qui c'est qui t'a demandé de te reculer comme ça? Personne, hein? Je t'ai pas demandé de te reculer, moi. Bim! Voilà! Violation! Carton OAM, sur l'arbitre est sévère. Hein. C'était juste une agression gratuite, hein. C'est bon, ça va. Il est pas mort, hein. Voilà. Aïe, 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 que ce fut dur. Mais que ce fut dur. Je vais en blesser 4 semaines, plusieurs. On va t'entendre jeter qui, toi? Ah oui, c'est vrai que tu joues pas souvent. Ok. T'es très heureux de faire partie de cette équipe. Moi, je sais pas, hein. J'ai des doutes un peu. Bon, allez, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura quand même plu, même si c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est bizarre quand même hein, qu'il y ait autant de différences entre les équipes. Qu'il y en a certaines avec lesquelles on arrive assez rapidement à bien jouer, et puis d'autres qu'il faut vraiment un très très long temps d'adaptation, parce que sont à la ramasse, quoi. Obligé d'avoir 4 attaquants devant, pour avoir l'impression d'être... avoir 4 attaquants devant et être en ultra-offensif pour avoir l'impression qu'il y ait du monde devant, quoi. Ça, c'est incroyable. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, en tout cas, voilà, on s'arrête ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura quand même plu. Si ça vous a plu, ben n'hésitez pas à liker, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure sur FIFA 15. Allez, ciao!